Lors de son passage en Nouvelle-Calédonie fin août 2004, à l'occasion des assises de la recherche française dans le Pacifique, François Daubert, ministre de la Recherche, en a profité pour visiter le centre IRD de Nouméa. Serge Calabre, directeur général de l'IRD, et Christian Collin, alors directeur du centre IRD de Nouméa, ont guidé le ministre au cours de ces rencontres. Jean Chazot, responsable de l'USN Biopac, et son équipe ont ainsi présenté leurs recherches sur la biodiversité terrestre dans le Pacifique tropical. Les araucariacées de Nouvelle-Calédonie, dont la plupart sont endémiques au territoire, ont par ailleurs été décrites par le botaniste Tanguy Jaffré. François Daubert a également pu découvrir l'herbier du centre de Nouméa, unique sur le territoire et qui compte plus de 75 000 échantillons de Nouvelle-Calédonie et du Vanuatu. La modélisation des courants et des transports de particules dans le lagon ont été présentés par Pascal Douillet et Sylvain Houillon, océanographes physiciens côtiers de l'UR Camélia. Enfin, illustrant la complémentarité d'approches à différentes échelles, collecte d'organismes marins in situ et analyse d'images satellitaires, Claude Perry et Serge-André Fouette, écologues, ont expliqué leurs travaux sur les habitats marins. Au cours de cette visite, Serge Calabre a remis au ministre des ouvrages illustrant la biodiversité du lagon calédonien, publiés par l'Institut et par ses partenaires. Vous avez eu l'occasion de le voir, je pense, en avion.